Ooh, look at that melanin. So hi guys, welcome back to each of you, each and every one of you, to my channel. So si ou la, apare preske 5 ou 6e video nou ansam, so that mean we are family, ou la kayo, mwen welcome ou menm spesyalman ki chwazi subscribe, abone, pataje ak zami yo. Mwen mese tout mwen ki toujou voye feedback yo. I love them guys. And sa mek mwen avanse tou nan travay ke m vle fe. Nan travay pataje informasyon. Nan sa mwen ven. Donk, mwen don la ka ou mwen tou alez. Relax. Je zan pou paye don lot sije. Ki wak ganyan wè ek figin. Si? Exfoliating. That's the key. E ki wak ganyan wè ek cheve. Popping. My, I don't know what it is. I'm not saying. Today, so welcome back. Je di an apale don suje ke anpil e poche mwen pase la dan pase ke petet ke si ou nan peyi etranje ou pase la dan. E sou gen proje etidye tou nan peyi etranje, sou gen proje deplase pou a fe etid ki ka petet etilou. Dok, m souwete ke moun chevem yo, pa desi, moun vizaj yo. Se yon chen, koute nan pale de informasyon general, dok jwete nan pale nan lout bagay ki totalman difyen. So, let's go, guys. E, m ap ese pale pi fo. De pou met sa, m de pou met ke m ap ese pale pi fo nan video. Men, se nou wè man ke m pou vwa grav. Dok, pale pi fo a, an jen difisil pou mwen. Sa m pa kriye. Ok, an nou pale de jodi a de sa nou ele ekivalans not de peyi d'Haïti avèk lòt peyi. Ma komanse pa di ke ma pwese spesifik sou Etazini, paske se avèl ma bitye. Me, sa ka ban ou ide de exactement de ki jan proses sa ou fèt, devè nan mè de ki koto ye, e ou pa chèche konen ki anjans ki fè mèm travay sa ou. Paske edukasyon universel. Donk, pwese ma kala se ke anpil fwa lè moun kon vini se gon mit ke moun koman ke kanpil moun gen, se ke yo pase ke yo oblije yo rekomanse avèk tout etid ki yo ta fè si yo te getan fini etid klasik yo, e ke yo nan o nivou universite yo, yo pase ke waj etidyan yon lo Haiti, mkonte da pil moun am dike sa m papa etidyan yon, pase m gen moun moun kap vwe pram, ou mi yo gen de diskou kon sa. Like guys, it's 2020. Kere se de bagay, ou pa sepose diyan kon. Sepose apren. Jem diyan, pa apren mwen gen ken eskison, ken domen sou pa deside apren tou li, paske informasyon yo la, e gen moun ki kone yo. Cheche kone yo. Donk, nan pa e de san je diyan. Pou e bagay la se ke, non ou pa bije rekomansye tout sa ou te dejan apren nan Haiti, si ou deside al viv nan lot peyi. Sa vezi, a genye universite etat d'Haiti ya, ki an relasyon avèk plus ke 50 peyi nan moun la, dek sa vezi sou te etudye la kay yo, deja goun mwen pou kontinye avèk sot afè a, si se sak toujou enterese yo. Sou te etudye lout kote, sa mande ou mèm tou pou fon rechèche, lò ap etudye nan universite privè, eske universite sa, ni rekonu selman nan zon nan, ki domen la nan ki rekonu, paske gen ki rekonu, men se pa tout bèchan nan ki rekonu. Men se se de baye kom se ke m vin apren, par rapport avèk mè mèm, eksperyans personel pam, ke m fè, nan proses sa. Donk, ki sa nan pale, je diya? Nan pale, ou geta si mwen komprenne ke nan pale de ekivalans not ke ou resevo an nan institisyon an Haiti e lò vivavel koman ka ame, koman ka fe ekivalans la nan not peyi spesifikman, ou peyi te kou Etazini ou bien Kanada. Paske yu gen bay ki simile yo. Pou yon baga la, si ou te fini diplom d'etude sekwende ou te fè reto filo, genye le Ministè Edukasyon Nasyonal bo papye a, li bo papye a ki rekonu an Haiti. Men si pou reglan bagay ki gen rapport internasyonal avèk li, fòk li legalize. Donk sa mwen de pou ou fò ti koupye nan Ministè Afè Etranjè a, pou fè legalize papye a, pou konen exactement ki sa ou bezwen par rapport avèk papye sa ki nan moun an Haiti. Koun ya rapport papye ou legalize ou deplase ou nan lòt peyi. Pou e bagay la, si se pa yon peyi ki pale franse, si son peyi ki pale yon lòt lang, sa ve di ke pou yo fè yon ekivalans pou, sa ve di pou yo gade not ou te genye deja yo, ke se swa nan nivou e
rive nan rive philo ou bien nan niveau universitaire par rapport avec est-ce que l'école que toi ou t'as étudié à reconnaître dans pays que toi hier si tu étudies dans UEH ça m'a vraiment une question gang mon UEH moi mais si tu étudies de l'autre côté ça m'a aidé pour même pour faire recherche sous ça pour aller nan, pour gagner agence équivalence qui sur internet là indépendamment de qui pays où hier qui a dit qui l'école que nous accepté ici là et qui domaine dans l'école ça qui reconnu d'un côté moi il y a qui m'a accepté donc pour bagala au besoin des papiers qui légalisé et deuxième bagala papier assez possible dans langue pays que toi hier par exemple aux États-Unis gagner domaine traduction si vous parlez et si on moun, si papier en français ou besoin moun mete ou pour en anglais ça veut dire que faut moun nan c'est un moun ki ka ba en traduction ki notari gen différents type modèle traduction gen différents niveaux que un moun besoin pour faire traduction mais on besoin assurer que et compagnie ka fait traduction pour bien moun ka fait traduction pour wa c'est pas juste son ami famille ou c'est pas juste son moun ko konnen ki konn fait bagay sa tout on besoin konnen exactement ki jan ki niveau moun sa gen pour traduire papier parce que papier officiel ça généralement on traduit mot par mot il faut payer pour chaque grain de mot qu'on traduit donc une fois qu'on légalise que papier ça légalisé et qu'on finit de s'amavel l'important que papier a pour traduire papier pour translate li dans langue pays qu'on touya kounya papier a fin translate est-ce qu'elle finit non la fin parce que kote kounya si vous avez fait en équivalence ça veut dire la garder qui niveau qui ça en pays d'Haïti te baou comme résultat qui niveau de baou pour dire dans système pam nan dans système éducation pam nan mais qui ça li ma par exemple bien simple moi même l'aime légaliser papier retophilo yo et que moi transmet radio moi voyons non agence qui fait travail ça devrait pas mener World Education Services qui c'est WES que tout le monde connaît papier retophilo yo yo équivaut à un monde qui fait high school ici ça veut dire qu'il finit high school diplôme mais papier université mieux parce que moi pas prend diplôme papier yo pas ca équivalent yo pas ca faire équivalence de diplôme dans pour moi donc yo fait équivalence de cours à cours alors que cours ça dans le système français yo équivaut à 3 points à 3 crédits me dit 3 points mais 3 crédits et si tu évalué à 2.5 crédits par rapport avec système côté me sorti par rapport avec système que mie kounya ça qui vient un désavantage pour moi mais qui pas trop déranger par rapport avec niveau que me t'est arrivé mais c'est des bails qui obligé connait ça veut dire que de diminuer automatiquement valeur papier là étant donné que on fait cours par cours évaluation cours par cours donc après que moi fini faire évaluation yo même dans West là pour faire évaluation coup par coup là on va parler de ça parce que ça est important qui ça fait ou gain 2 mois ou gain droit et fait que université a exactement créé un account pour West là je sais comme qui ça lié je sais comme qui côté lié je sais comme plus information pour ça pas oublier que juste bas au type pour chercher information pour personnellement donc là fin créer account West là et pour garder pour ouais mais qui papier me gain même mais qui ça agence ça café pour moi par exemple aux États-Unis ou bien au Canada parce que je travaille pour deux pays ça en North America donc et ou pral ba ou pral mande que ou même qui voit papier à ba yo et en anglais en français copie s'il vous plaît on va voir original ou donc et pral dire que nous papier là nous accepter les pas papier qui légaliser légalisation normale monde qui fait translation là pour faire traduction pour nous reconnaître li mais au pas officiel donc le papier officiel ça veut dire nous voulons que c'est institution que tu étudies dans pays que tu es là qui voit le ballon il y a ba en forme sur internet là qu'on download que on voit en Haïti que mon en Haïti a sorti que il parle dans ministère là qui connaît travail ça et puis qu'on y a ou pas dans l'école que tu étudies là qui pas s'il pas en université d'état si c'est une université privée pour yon même pour évaluer pour remplir forme là pour dire oui moi connais mademoiselle ça moi connais madame ça moi connais monsieur ça il était étudié la carrière vraiment il prend un imposteur il a pas rempli papier et que yon même il a voyé directement by west yon ka voyé la carrière tout mais faut qu'on pas ouvrir
Je vois que vous pas que vous voulez un document que vous voulez avoir, il n'est pas officiel encore. Donc c'est pour ça que je te conseille ou même pas même besoin de vous la carte. Vous pouvez juste utiliser DHL et shout out to Shipex, qui c'est un business en Haïti qui a grandi, qui coûte moins que DHL. Vous pouvez peut-être le checker et tout pour capable faire papier ça arriver dans l'Ouest là, qui qu'on a faire évaluation document officiel que vous recevoir et l'abzou. Qui ça li vaut pour yo. Y a écrit ou y a dit ou nous recevoir papier yo, n'a pas équivalent, n'a fait équivalence là pour, n'a dit ou bon réponse dans à peu près 2 semaines. Donc c'est comme ça. Après qu'on y a papier ça dans main ou yo gen option côté permet tout ou enregistrer papier à la caille ou tant que ou paye on files la caille ou paye un tiroir à la caille quand on met papier à chaque fois qu'on voit l'un côté. Pablo que on côté pas besoin prendre le mot s'il pas scellé donc après je veux que ouest là vrai papier à lui même pour côté ça donc on paye on l'argent pour kimbel pour un petit royo et chaque fois on va le voir pour on va payer l'autre fois encore pour voir mais la coûte au moins et là déjà on papier officiel donc au style besoin service so c'est les bagages qu'on besoin connait c'est les bagages qu'on supposé apprendre si ou non si on que on a ici que ici que vous n'avez pas pays étranger et que vous voulez continuer avec ça, vous avez étudié déjà. Pas quelque chose que vous êtes obligé de commencer à zéro. Non, vous n'êtes pas obligé de commencer à zéro, mais vous avez besoin de connaître quelle information, vous avez besoin de connaître quelle méthode pour choisir, vous avez besoin de connaître quelle marche à suivre. Vous avez besoin peut-être chercher connaître qui est ce monde qui était dans le domaine déjà et demander qui ça a été fait, chercher connaître information, que ce soit à cause des amis ou que ce soit à cause de famille qui est capable d'aider ou même non. Ou ça quoi faire. So, c'est tout ça que j'ai pour nous aujourd'hui. J'espère que nous apprécier vidéo, que nous partager l'examen nous, que nous abonner à chaîne, que nous voyez feedback pour moi, que nous continuer laver visage, exfolier, faire at least un masque par semaine parce que là pas de maquillage, pas rien. Donc c'est juste moisturizer guys. So, de content avec nous aujourd'hui et puis bah, nous rendez-vous pour la prochaine pour l'autre vidéo. Bye bye, merci tout le monde.